Et voilà. Petite soirée ciné en famille. Oh, waouh. Quoi? Will est en train de divorcer. Alors appelle-le. J'en sais rien, on s'est pas parlé depuis des années. Appelle-le. Les amis, c'est fait pour ça. Hey! Comment tu vas? Super, et toi? Comment ça se passe, ton boulot? Je suis maître brasseur dans mon propre établissement. Oh, félicitations. T'as des enfants, non? Tu veux voir une photo? Ah bah ouais. Cool. Qu'est-ce que tu fais de beau? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Bon, on déjeune? Non. On brunch? Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu peux pas être ami avec une fille? Il y a un tas d'hommes et de femmes célèbres qui sont amis. Genre Laura Dern et Sam Neill dans Jurassic Park. Ton amitié avec Will est pas faite pour être vécue à ce moment de ta vie. Putain de merde! C'est typiquement ce que vit une femme à ce moment-là. On dirait deux adolescentes. Vous avez toujours eu une relation malsaine et destructrice. Notre relation n'est pas destructrice, que je sache. Non, c'est même l'inverse. Elle dit n'importe quoi. Ouais, on est constructif. On construit. J'aime pas sentir que je suis le deuxième homme le plus important de ta vie. Doritosaurus. Ah. J'assume pas de me sentir comme ça devant toi. Will est encore plus perdu que moi. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, espèce de crétin. Je suis heureux. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Oh non. Envoie-moi la facture. Comment va ta bévité? Comment va ton visage? J'ai mis beaucoup de maquillage et de fond de teint, ça se voit. C'est vraiment super bien fait.